Cancelier, bonjour. En ces temps d'incertitude, je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de vous accueillir. Je disais donc, en ces temps d'incertitude et de certitude pour beaucoup trop, je parle de certitude pour tous ceux qui croient avoir raison, je crois qu'il est bon de recevoir un homme comme vous, c'est-à-dire un alchimiste qui vit au-delà du réel, donc dans une forme de sacré, et sans aucun doute qui assure son chemin sur d'autres territoires. Alors, je sais bien, vous êtes alchimiste et je me suis toujours demandé si vous étiez de ce temps. Peut-on appartenir à un temps lorsqu'on est alchimiste? Oui, obligatoirement. Je ne serais plus de ce temps si j'avais trouvé la pierre, si je pouvais vivre sur un plan qui n'est pas le nôtre. D'ailleurs, l'alchimiste, les études de l'alchimiste, ses travaux, reposent sur la quatrième dimension, au fond. C'est là le secret de l'alchimiste. C'est cette quatrième dimension dont d'ailleurs parle très nettement saint Paul, la profondeur. J'ai bien fait de parler de sacré, alors. Ah oui, oui, bien sûr, le sacré, c'est la profondeur. C'est la profondeur. Jeune Cancelier, j'ai reçu vraiment un flot de lettres me parlant de vous. Tout à l'heure, lorsque je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont là derrière la vitre et d'autres qui n'ont pas osé aller jusqu'à vous. Ils attendent de vous beaucoup. D'abord, ils sont curieux. Mais vous ne pouvez pas leur parler, car vous êtes tenu par le secret. Oui, je peux leur parler, mais je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas dire en clair tout ce que je sais. Si je savais tout, c'est-à-dire jusqu'au bout, je ne serais même pas ici. Je serais adepte. J'aurais trouvé la pierre. Je vivrais alors sur un autre plan. Que les jeunes gens soient attirés, c'est pas moi qui les attire, c'est moi en apparence. Mais c'est l'alchimie qui les attire. Je vois bien, je vois bien quel attrait profond l'alchimie produit sur les jeunes gens. L'alchimie, ils sentent bien que c'est autre chose. C'est autre chose que ce dont il est question ordinairement, même à l'école. C'est aussi une école, mais différente tout de même. Et ils sont attirés, ça relève des universaux, ça, c'est cosmique. Tenez, je vais vous donner un exemple. J'ai publié en 1926, ça fait maintenant un bon demi-siècle, d'abord Le mystère des cathédrales, ensuite Les demeures philosophales, tirées à 500 exemplaires. Ces deux éditions, il y en avait encore des exemplaires après la guerre, encore en 1945, il y en avait. Après plus de 20 ans, l'édition n'avait pas été épuisée. Puis soudainement, en 1956, on procède à une édition, par souscription, à 1000 seulement. J'ai pu obtenir 1000 tellement on avait peur que ce fût un four. On tire donc à 1000, numéroté. Bien fait, très bien fait, avec quelques maladresses. Mais en un mois, pas un mois, la souscription était couverte. Tout est parti en un mois. Lavritch n'avait jamais vu autant d'argent, ce qui a fait d'ailleurs que je n'en ai jamais touché chez lui. J'attends toujours mes droits. Mais c'est une pièce maîtresse que ce livre. Ah oui, j'ai oublié d'éclairer ma lanterne, bien sûr, ce sont les deux œuvres dont j'ai assuré l'édition. Elles ne sont pas de moi. Oui, bien sûr. Elles sont de Fulcanelli. Fulcanelli. Que vous avez connu. Ah oui. Que vous avez rencontré, vous aviez 13 ans lorsque vous l'avez rencontré. Non, 15 ans. 15 ans. 15 ans, oui, oui. Et j'ai cru moi-même en 1956, quand cette édition et ces deux éditions sont parties avec une telle rapidité,
Oh, je me suis dit, avec ça, Pauvel, ses bergers venaient de lancer le matin des magiciens. Oui. Il y a là un intersigne, dirait Villiers de l'Isle-Adam, n'est-ce pas? Et ça a donné une sorte de départ. Moi, je me disais tout de même philosophiquement, oh oui, mais c'est un engouement. Ça ne durera pas. Pas du tout. Le mouvement s'étend depuis 56, c'est-à-dire depuis 22 années. Le mouvement s'étend lentement, mais avec une sûreté, une certitude. Et l'idée que l'on se faisait de l'alchimiste a changé. Ah, c'est très différent. Ça n'est plus le monsieur au chapeau pointu et à la robe constellée d'étoiles, n'est-ce pas? C'est le scientifique, philosophe, par surcroît, bien sûr. Et avant tout même, philosophe. Mais pour certains, est-ce encore le mot charlatan que l'on prononce? C'est possible. Tout de même, moins. Moins, oui. L'alchimie traditionnelle, bien sûr, dans les temps passés surtout, a entraîné avec elle des charlatans. Parce que, évidemment, jusqu'à ce que paraissent les De Fulcanelli, et plus modestement mes ouvrages, pour tout le monde, pour le commun, l'alchimie, c'était l'art de faire de l'or. Mais ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. La possibilité de fabriquer du métal précieux est donnée par surcroît. Mais il faut avant tout trouver la pierre philosophale. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, Eugène Cancelier, vous êtes en recherche. Vous n'avez pas trouvé? Non. Vous je l'avez ne suis dit... pas arrivé au bout, trouvé. J'ai, pensez bien, oui, bien que sûr. J'ai trouvé sur la route oui. toutes sortes de choses extraordinaires. Quoi, sinon, par exemple? Je ne suis pas fou, je ne resterai pas. À quoi, par exemple? Bah, tenez. Une chose qui est importante pour moi. J'ai été frappé en 1974 par un infarctus du myocarde, sévère, le vrai, quoi. Pas un gros angor qu'on fait passer pour un infarctus, non, le terrible, celui de la face antérieure du cœur. Eh bien, sans le sel de rosée, je ne sais pas si je serais, comme je suis maintenant, débarrassé de toutes séquelles. Parce que j'ai tant entendu que dans les suites, les conséquences de l'infarctus, les séquelles, oui, il fallait appliquer la médication nitreuse. Il n'y a pas de secret d'ailleurs que la médication du cœur est souvent tirée des explosifs prenant la trinitrine, oui. N'est-ce pas? Eh bien, quand j'ai entendu cela aux intensifs où on m'avait dirigé, j'ai pensé à mon sel de rosée qui donne, bien sûr, un nitre, mais qui doit être isotope. Je n'ai pas d'appareil pour le vérifier, mais c'est son comportement, dirais-je, physique et chimique, n'est pas du tout celui du salpêtre ordinaire de l'azotate de potasse, pas du tout. Comment l'ai-je obtenu? Bah, par le mutus liber. C'est-à-dire? Le mutus liber, en latin, c'est le livre muet. Le livre muet, qui ne comporte que des images. Il ne comporte que des images, mais il n'est pas pour autant... Il est sans parole, bien sûr, mais il n'est pas sans voix. Il y a la voix symbolique, qui est souvent beaucoup plus exacte que la lettre. C'est d'un bout à l'autre de ces planches, l'extraction de la rosée, en rapport également avec son action sur les adjuvants salins du grand œuvre, par voie sèche. Enfin, là, c'est bien technique, ça. Je Alors peux ennuyer de ce côté. Revenons un peu à la pierre philosophale. Oui, s'il ça. Fallait la raconter à quelqu'un qui ne saurait rien de l'alchimie, qui n'aurait jamais eu envie de la découvrir, oui. Comment pourrait-on dire? La pierre philosophale, pour beaucoup, c'est la chose, disons la chose, qui peut sauver... tous les mots, c'est la chose qui oui. peut permettre de fabriquer l'or. Et peut-être même pour chacun d'entre nous, c'est la chose qui nous permet de nous préserver.
Exactement. C'est-à-dire que nous avons tous, quelque part, une pierre philosophale. Mais attention, la vraie pierre, celle que vous cherchez, c'est celle que les autres ont cherchée. Oui, pardon. C'est la médecine universelle. C'est celle qui assure une longévité extraordinaire à celui qui l'a reçue. C'est le don de Dieu, adeptus. Il reçoit il est nommé à ce moment-là, on le dénomme adepte. Il a celui qui a atteint, n'est-ce pas, aussi. Vous n'êtes pas adepte. Je ne suis pas adepte, malheureusement. C'est ce que vous me demandiez, peut-être, là. Oui, c'est cela, j'ai bien compris. Non, je ne suis pas adepte. Fulcanelli l'était. Lui, bien, assurément. Bon, Fulcanelli était cet alchimiste que vous avez rencontré lorsque vous aviez 15 ans, je crois, oui, du côté de Marseille. C'est ça. Et vous dites quelque part que lorsque vous l'avez retrouvé en 1952, il avait 113 ans. Tiens, où avez-vous su cela? J'ai lu cela quelque part de vous. Et vous ajoutez même, il avait 113 ans, mais il paraissait mon âge. Et à l'époque, vous aviez donc 53 ans, puisque vous êtes né en 1899. C'est ça, oui. Et alors là, bon, j'aurais pas osé en parler, voyez-vous, c'est vous. Non pas que vous m'y contraigniez. Oh non. Non, mais je m'y trouve poussé. Oui. C'est très vrai. C'est très vrai. Fulcanelli, certes, était un beau vieillard. Surtout quand il venait, je me rappelle, souper à la maison, quand j'étais à l'usine à gaz, la fameuse usine à gaz dont on a tant parlé, vous savez, c'est toute une histoire, tout ça. Oui, oui. Eh bien, c'était un vieillard, c'était un beau vieillard, mais c'était néanmoins un vieillard. Quelle surprise! Quelle surprise quand je me suis trouvé devant lui, devant un homme qui avait mon âge. J'avais encore, quand même, j'étais solide encore. En 52, oui, évidemment. Mais il avait vraiment 113 ans. Il m'a tutoyé, il m'a dit exactement, tu me reconnais. Ça, je me suis bien gardé de lui rendre l'appareil. Mmh. Oui, je ne sais pas pourquoi. Et il me dit, tu me reconnais. Oh, pensez, j'ai tant fait de portraits. Je ne me donne pas. Je ne me couvre pas de louanges, mais je m'y entendais pour faire un portrait académique. Eh bien, c'est un peu comme l'enfant. L'enfant qui prend de l'âge, qui devient un homme. On reconnaît l'enfant qu'on a connu dans l'homme qu'on retrouve. Qu'on trouve soudainement même. On le reconnaît. Mais l'inverse, le vieillard qu'on a connu, rien ne touche davantage à l'enfant que le vieillard, au fond, et qu'on revoit comme si il avait remonté le temps. Mais on reconnaît toutes sortes de choses du visage. Les oreilles, la forme, l'implantation des cheveux. Grisonnant, certes, mais qui était noir. Bon, vous me direz, il a pu se teindre. Non, c'était bien lui. C'était bien lui. Je n'ai pas pu voir s'il avait bien des dents nouvelles. Je vais loin, mais dans l'ensemble, quelle allure. Ah. Il est mort? Non, non, bien sûr que non. Il a quel âge aujourd'hui? Eh bien, sauf erreur, il aurait 150... Voyons, je ne me trompe pas, il était de 1839. Il ne me l'a jamais dit, mais je l'ai... Mmh. Si, il me l'a dit, en somme, très incidemment. Alors maintenant, ça lui fait donc 139 ans. Oui, c'est ça, 139 ans. Oui, 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 oui. Si. Parce que je le saurais, s'il était mort, je l'apprendrais. Mais le temps ne compte pas. Il vit dans le présent, l'adepte vit dans le présent. Le présent nous est refusé à nous. Mais vous êtes au-delà du réel. Oui. Parce que seul le merveilleux est vrai dans cette affaire. Ah ça, vous avez raison. C'est la vérité même. Il n'y a rien de plus vrai que le merveilleux. Et je vais plus loin, j'étais tout à l'heure sur le présent. Oui. Pour nous, les paroles que nous prononçons en ce moment, vous et moi, ne tombent pas si tôt de nos lèvres qu'elles sont dans le passé. Nous n'avons que le passé pour nous, et l'espoir, l'espérance, entre les deux, le présent, n'existe que dans la conjugaison. C'est une sorte de
coupure mathématique, en somme. Mais vous pensez, Eugène Cancelier, que l'alchimie est partout autour de nous. Vous la dites, par exemple, très présente et comme un ferment dans de grandes œuvres littéraires. Oui. Gulliver, par exemple. Oui, mais vous m'avez bien lu. Vous avez lu Fulcanelli. Et je vous ai lu. C'est j'ai bien, lu Fulcanelli, ça. Oui. Ah oui. Mais non, parce qu'il y a vraiment toute une litanie d'interrogations dans toutes ces œuvres. Et je me demande si vous viviez longtemps, vous, Eugène Cancelier. Et vous pensez que vous vivrez longtemps, puisque vous êtes éternel. Donc, enfin, dans votre esprit. Ah oui, hein, dans votre esprit. J'y compte bien, je mourrai si je ne trouve pas la pierre. Alors justement, il faudrait que j'arrive au bout. Vous allez la trouver, cette pierre ? De l'élaboration. Qui l'a trouvée, cette pierre ? Oh, historiquement, c'est prouvé. C'est prouvé. Moi, évidemment, j'ai la certitude, parce que pourquoi ai-je tant de certitude ? C'est parce que j'ai été près de Fulcanelli. Fulcanelli, voyons, comment se fait-il ? Tout à l'heure, enfin, nous n'en parlions pas ici au micro, mais nous disions quelques mots auparavant. Oui. Tout à l'heure, nous parlions de sa personnalité. Que je ne dévoilerai jamais, c'est pas possible, surtout moi. Ce n'est pas son nom, Fulcanelli. Mais non, c'est un pseudonyme. Vous connaissez son nom ? Si. Ah non, je le connais pas. Enfin, Fulcanelli, il y a Vulcain sûrement dans son nom. Oui, Vulcain, oui, ils ont c'est le feu. Cabalistique. Oui. Hélios, Héliou, soleil, n'est-ce pas ? Il y a du noir aussi. C'est le... Comment ? Il y a du noir aussi dans son nom, non ? Non, pourquoi ? Non. Il n'y a pas ? Comme dans l'alchimie. Ah, c'est-à-dire que le grand œuvre commence par la période noire. Mais l'œuvre au noir, par exemple, dont a parlé cette personne, Madame Yourcenar. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar. Et je me rappelle même avoir donné mon sentiment sous la caméra, je ne sais plus, il y a bien longtemps. Mais ça n'existe pas, puis son livre, il n'y a rien là-dedans. L'œuvre au noir, ça n'existe pas. Il y a l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. L'œuvre au blanc, c'est celui qui conduit à la médecine au blanc, qui se rapporte, qui concerne spécialement les femmes. La grande médecine, c'est celle qui est au rouge. On atteint le rouge. Le pur du pur, pur puros. On comprend vite qu'il y a tout de même un langage de l'alchimiste. Il faudrait presque, si l'on veut bien conduire, bien se conduire, il faudrait presque faire l'analyse de tous les mots. Parce que d'abord, il y a tous les symboles. Ah oui. Il faudrait presque un initié. D'abord, il faut dire que c'est un art. Bien sûr. C'est un art initiatique. C'est une initiation. Oui, à force d'effort. Ce qui est amusant, je vous parlais tout à l'heure... Du livre muet que j'ai commenté. Il n'avait jamais été commenté. Si, il y avait eu une hypotypose de fait dessus par Dujols, Pierre Dujols, qu'on prend, on veut qu'il soit aussi Fulcanelli, mais c'est pas lui. Mais non. De même veut-on que Fulcanelli soit Champagne, Julien Champagne, le dessinateur. Mais non, c'est pas possible. C'était un homme considérable. Je ne parle pas, mais pourquoi n'ont pas parlé tous les gens haut placés qui l'ont connu à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci ? Pourquoi personne n'a parlé ? Pourtant, fréquentait-il assez chez de Lesseps ? J'ai rencontré auprès de lui Painlevé. Curie. Et d'autres. Ah, oh, Curie. Ah non, moi, il était mort. Non, Fulcanelli. Oh là, c'était un ami intime de Curie, de Pierre Curie. Oui. Et de Bémont, je me rappelle plus bien si c'est Brémont, celui qui travaillait avec lui, et Grasset d'Orsay. Il le connaissait bien. Ah oui. Oui, et sans doute l'avait connu aussi Mahmoud Mouktar Pacha, ce diplomate philosophe qui était ambassadeur de Turquie à Berlin en 14. Il n'était pas frère du roi. Oh, j'en ai su bien des choses. Frère du roi d'Égypte. C'était le roi du roi Fouad. Oui, c'est cela, oui. Puis l'oncle de par alliance de Farouk. Oh, c'était un homme extraordinaire. Il m'a bien dit. J'ai vu la transmutation à Constantinople plusieurs fois. Mais vous, Eugène Cancelier, vous avez chez vous un laboratoire, un fourneau, vous vous êtes essayé, je le sais que vous l'avez d'ailleurs, mais vous vous êtes essayé
à la transmutation des métaux, vous avez trouvé, vous avez fabriqué un peu d'or dans votre vie? Oui. En plus du reste. Oui, mais c'est trop long. C'est trop long. Et vous pourriez? En particulier, oui. Oh, ben, c'est une belle réussite de laboratoire. Parce que, attention, l'or fabriqué n'apparaît pas par traces. Quasi indécelable. Ah non. Non, là, c'est par dizaines de grammes. Oh, il n'y a pas de secret, je l'ai donné. J'ai donné le procédé, pas complètement. Mais tout repose sur la surfusion. Quel mystère que la surfusion. Comment n'y pense-t-on pas? On parle de la bombe qu'on fabriquerait sur un fourneau à gaz. Faut pas rigoler avec ça. À partir d'un minerai qui n'est pas coûteux. On peut tout faire? On peut tout faire, mais surtout pas dans la violence. Pas dans la violence. Quel minerai employez-vous? Je l'ai dit suffisamment. N'est-ce pas? Disons, je vais encore répéter ce que j'ai dit. C'est le plomb philosophique ou l'antimoine philosophique. C'est celui qui, sur les deux, fabrique le mieux l'émail. Le fameux émail, les émaux du blason. On peut faire de beaux émaux. Enfin, l'alchimie, comme le disait René Allot, est tout de même la synthèse du savoir ésotérique. Mais oui, oui. Donc on est ailleurs. Et vous... On est ailleurs. Vous savez que beaucoup ne peuvent pas vous suivre sur vos chemins. Est-ce parce que ils n'ont pas été initiés ou parce que ils s'empêchent d'être initiés? Je vais vous dire ce que je crois, et c'est en réponse à ce que vous me demandez. Ça vient de l'individu. N'est-ce pas celui-là qui déjà est poussé par le désir d'œuvrer, de travailler au fourneau. Je n'emploie même pas ce grand mot de laboratoire. Ce sont plutôt les travaux connexes. Mais le grand œuvre demande surtout un four. Je parle du grand œuvre par voie sèche. Eh bien, je disais, celui-là qui déjà le désir est touché par la grâce, par une grâce particulière, c'est une grâce. Très réellement. Mais alors, vous essayez alors, par... Pardon, je vous... Oui. Non, je continuez, peux toujours parler. Non, continuez. Non, vous étiez sur une lancée, là. Oui, c'est tellement vaste. Que disais-je, là? Non, alors je voulais vous demander... Oui, demandez-moi, oui. Comment regardez-vous votre chemin? Parce que vous êtes né à Sarcelles. Vous êtes fils, je crois, d'un maçon. Oui. Je ne sais pas si vous avez fait des études particulières. Un excellent. Vous avez fait des études? C'était un compagnon. Un compagnon, oui. Vous avez fait des études poussées? Oh, surtout auprès de Fulcanelli. Vous savez, ça ne dépasse pas le baccalauréat, mais auprès de Fulcanelli, oui. Donc il y a un enrichissement personnel. Oh, d'ailleurs, c'est pas pour rien, je n'ai pas craint de le dire dans mes ouvrages, je l'ai même répété. Je ne suis qu'un vieil étudiant, sans plus. Je ne sais plus quel était le... je crois que c'est le père Chevrol qui disait ça. Je suis un vieil étudiant et il atteignait 100 ans. Le vieux chimiste. Et vous étudiez toujours? Ah, toujours, oui. Il faut bien. L'alchimie y pousse, car elle est universelle. L'alchimiste la voit partout. Elle est diplomatique, elle relève de la diplomatique.
Elle est dans le blason, elle est partout. Mais ceux qui vous écoutent... Évidemment, dans la décoration, qu'elle soit peinte ou qu'elle soit sculptée, des cathédrales, des églises, abbatiales, cathédrales, et dans les demeures particulières. Vous avez, par exemple, les peintures extraordinaires du château du Plessis-Bourré. Vous les connaissez? Non, mais je vous ai lu. Oh. Ah, bon. Vous parlez de cette belle salle du 15e siècle. Ah oui. Et vous avez trouvé... Vous avez les deux logis alchimiques, c'est là que... Oui. Ah oui, là. Ah, oui. C'est bien, ça. C'est bien. Et vous comparez avec quelque autre chose? Vous faites une comparaison par rapport à ce château? Oui, parce que c'est d'une magnificence. Ce sont des petites peintures sur bois du 15e, mais dans un état de conservation extraordinaire. C'est un soffite, c'est-à-dire c'est un plafond à caissons, à compartiments, peint en l'occurrence. Quelquefois, il est sculpté comme à Dampierre-sur-Boutonne, comme aussi à l'hôtel Lallemand à Bourges. Et vous y avez trouvé le symbole? Toujours les mêmes. Lequel? Ben, le même symbole, le même fil. Et on retrouve les mêmes symboles ayant toujours la même portée. Ce fil d'Ariane à travers le labyrinthe. Ce labyrinthe qui d'ailleurs était toujours figuré dans les cathédrales. On le trouve encore à Amiens et ailleurs. Alors ceux qui vous écoutent, Eugène Cancelier, qui... entendre ce que vous dites par rapport à Fulcanelli. Bon, vous dites Fulcanelli, je l'ai rencontré, il avait 113 ans, il paraissait mon âge. Oui. Je me suis exercé à la fabrication de la... peuvent penser que c'est de la magie noire. Oh non. Non, ceux qui ne veulent pas comprendre. Ils ne savent pas. Les ignorants, alors. Mais sont-ils vraiment ceux-là ignorants? Ceux-là qui, comme vous le dites à l'instant, et comme le dit l'Évangile, qui ont des oreilles pour ne pas entendre, ni des yeux pour ne pas voir. Mais peut-on leur en vouloir de ne pas savoir regarder? On ne peut pas en vouloir. Pourquoi? Il faut... Le Christ lui-même appelle vers lui les tout-petits, les parvulus, en latin, les parvulis, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont pas des enfants, ce sont ceux qui ont l'âme d'un enfant. L'alchimie demande, attention, beaucoup de pureté. Oh non, je ne veux pas me donner comme un être ineffable, non, mais tout de même, les opérations, vous ne pouvez pas alchimiquement, c'est-à-dire philosophiquement, les réussir, si vous n'êtes pas au diapason de vos matériaux. Et, voyez-vous, il n'y a pas de meilleure définition, et ni de plus courte en même temps, que celle que donne Martin Ruland dans son lexique d'alchimie, Lexicon alchimier, n'est-ce pas? Et il dit ceci, oh c'est du latin, je vais vous le dire en latin, mais on le comprend tout de suite. Vous traduirez quand même. Quand on ne le sait pas. Alchimia est, l'alchimie est. Impuri separatio, la séparation de l'impur, impuri c'est un génitif. A substantia puriore, de la substance plus pure, puriore, yes. Vous savez, il y a le génie de la langue là-dedans, mais on comprend bien. La matière, la substance... C'est-à-dire l'alchimie sépare le pur de l'impur. Comment? L'alchimie sépare le pur de l'impur. Oui, exactement, parce que la substance n'est jamais suffisamment pure. Et au fond, la pierre philosophale, c'est la matière poussée à presque... au plan spirituel, parce que vous savez, maintenant, c'est ce que dit la science, et elle est dans la vérité, et c'est sans doute aussi, attention, ce qui ramène vers l'alchimie, c'est qu'on s'aperçoit soudainement que les anciens n'étaient pas aussi bêtes qu'on l'avait cru, et que les traités d'alchimie, qui forment tout un corpus, une bibliothèque extraordinaire qui malheureusement n'est pas entièrement traduite, il faut autant que possible bien connaître le latin. Mais enfin... Et vous l'avez appris comment, le latin? Avec les grammaires de l'abbé Petit-Mangin. Tout seul?
Ah non, au début, j'avais le professeur Lecam, oui, à Charlemagne. Mais enfin, je l'ai surtout poussé tout seul. Oui, et puis à cette époque, un baccalauréat ès-lettres latin-grec, vous savez, le... C'était un vrai baccalauréat, c'est ça? Ah oui, oui. Ce n'est plus le cas, à votre avis? Ah non, j'en reçois des lettres, oui. Enfin, je ne veux pas critiquer ce côté, oui. Enfin, que n'a-t-on pas dit sur l'alchimie? Que de fois j'ai entendu, c'est une variante de la sorcellerie, et vous l'avez entendu comme moi. Oh, je ne l'ai pas entendu, non, mais je le sais. D'ailleurs, Fulcanelli ne l'a pas caché. Oui. Vous avez vu, il fait un chapitre là-dessus. Oui, on ne comprenait pas bien. Ah, je me rappelle. Oui, quelque chose, c'est tellement considérable qu'on fait des digressions malgré soi. Enfin, nous dialoguons. Vous aurez tôt fait de me ramener sur la route, n'est-ce pas? Oui. Je me rappelle avoir été en tribune derrière un film de Decaux. Alors il y avait un professeur, là, non pas de chimie minérale, de biologie, mais un homme savant, puis courtois, très gentil. Mais il croyait bien, n'est-ce pas, que l'alchimiste, il allait rapidement le mettre dans sa poche. Mais l'alchimiste, il a fait de l'histoire de la chimie et de l'histoire de la médecine, qui n'est pas au programme. Et c'est pour ça que quand il a dit « mais c'est pas possible, la coupellation n'existait pas », alors que Gébert l'a dépeint magnifiquement jusqu'aux petites coupelles en cendre d'os, réunies en mortier, quoi, avec de la gomme arabique. Vous savez, les fameuses petites coupelles qui font qu'on y extrait l'or à l'état de pureté, ou l'argent même. Oui, par méthode directe. Puis il connaissait l'inquartation, le départ. Mais non, tout cela, il n'y avait pas de supercherie possible. Si je vous disais que maintenant, on apprend mieux, on comprend mieux la chimie avec les ouvrages des chimistes anciens que ceux qu'on fait maintenant. Ils avaient poussé l'observation d'une manière extraordinaire. Voyez la chimie de Lemery, par exemple, revue par Baron. Mais là, on sent que la chimie est vraiment très près de l'alchimie. Eugène Cancelier, pour être un bon alchimiste, en fait, il faudrait avoir une connaissance très approfondie de toute la chimie jusqu'au XVIIIe siècle, puisque vous ne reconnaissez pas la chimie moderne. Oh, elle a du bon! Oui, mais enfin... Oh, mais non, on ne peut pas critiquer les découvertes de la physico-chimie. Ce qui est dommage, et ça si... Oh, vous y viendrez sans doute, vous connaissez peut-être même déjà la gnose de Princeton. Croyez-vous que ça ne vous fait pas dresser les cheveux sur la tête dès les premières lignes? Quand on considère, comme des enfants, les savants yankees, ils s'amusent comme des enfants, quel jeu dangereux! Ah! Il y a bien le jeu des enfants, le ludus puerorum, dans les traités d'alchimie. Mais ce sont des enfants sages. Et c'est pour montrer combien, au fond, la vérité, même au laboratoire, est obtenue dans la plus grande simplicité. Vous estimez donc que les savants sont les enfants fous? Ah, oui. Oui, c'est dangereux. Regardez. Et même, il y a un manque d'honnêteté. On parle de toutes les pollutions. Pourquoi ne parle-t-on pas celle des ondes? Croyez-vous que les ondes étaient là en attendant que les hommes fissent joujou avec, jouassent avec? Hein? Oh, au niveau de la télévision, au niveau de la radio, non, à l'échelle de la Terre, voire à celle du monde. Mais il y a les radars, mais il y a ces engins qui se promènent au-delà de la stratosphère et qui sans cesse émettent des ondes qui non seulement sont artificielles mais parasitaires. Et troubles, c'est ce qui fait que nous n'avons plus de saison, on va chercher des histoires de cycles. C'était pire sous Louis XV presque, pas? Mais non,
Ce sont les ondes qui font les météores. Le monde a été bouleversé. Ah, il est bouleversé, il est pollué à ce niveau. On ne parle que de celles que l'on voit, que l'on touche, presque on respire, on goûte. Mais celle-là aussi compte. Quand je pense au jeune cancelier, que vous êtes né à Sarcelles, que vous avez rencontré Fulcanelli, oui. Que vous avez également... Et à Sarcelles où s'est fait la première transmutation. Ah, il y a des signes. Là, hein. Bergier se trompe. Mmh. Oh, il était renseigné, mais il se trompe. C'est tout de même une vie déjà enrichie. Vous êtes fabriqué déjà un personnage. Il y a eu Fulcanelli, vous pensez qu'on retiendra le nom de jeune cancelier? Ah, je ne sais pas. Fulcanelli l'efface. Non, peut-être pas tout à fait. Je suis son seul disciple. Ah, il y avait un livre que j'avais mission. Et cela va avec le reste. Disons, mission de... Mission de publier. Et cela eut fermé la trilogie. Mais il me l'a retiré. Nous arrivons maintenant à une période critique. Il avait pour titre, le titre était latin, mais très facile à comprendre. Finis glorie mundi, fin de la gloire du monde. Mais il l'a retiré, c'est dommage. Je n'ai donné que quelques notes qui étaient en dehors du paquet. Le paquet contenant le manuscrit alors vraiment, était lui cacheté à la scie. En dehors et sous un autre paquet se trouvaient quelques feuilles volantes intéressantes que j'ai données, puisqu'elles étaient là, à la main. Quant au texte lui-même, je l'ai rendu. Mais vous l'aviez lu? Ah non, non, ah non. Alors vous-même, jeune cancelier, je le sais, vous écrivez quotidiennement un journal. Le donnerez-vous après? Car vous n'avez pas trouvé la pierre. Non, mais je ne désespère pas. Mais vous avez trouvé bien d'autres choses qui peuvent conduire à la pierre. Là, nous devons dire quelque chose, oui. Vous m'y conduisez d'ailleurs. Ce serait dommage que je ne le dise pas. Il y a que l'alchimiste, et qui est le véritable physico-chimiste d'ailleurs, attention, travaille, lui, sans violence. Oh, il faut tout de même donner un certain coup de feu, à certains moments, mais enfin... L'égard aux manières qu'on emploie, aux procédés qu'on emploie en physico-chimie, disons ordinaire, ce n'est pas la violence. Et cette... qu'est-ce que je vous disais déjà? Voyons. Ah, je voulais vous dire quelque chose. Oui, vous étiez parti, vous alliez confier un secret, tel esprit... C'est une foule de digressions, c'est difficile de... Enfin, peu importe. Mais certains doivent considérer parfois, parce que vous êtes tellement loin, vous êtes tellement ailleurs, vous êtes tellement peu avec le monde ordinaire, vous considérer comme un illuminé, non? Oh, que je sois illuminé, je ne le pense pas. Dans l'acception que l'on donne au substantif, à l'ordinaire, non. Non, mais il y a une certaine illumination tout de même. Parce que, il ne faut pas oublier, c'est très vrai, que tous les traités d'alchimie le répètent à l'envi. Le mercure des philosophes, qui n'est pas le mercure de nos thermomètres, c'est-à-dire le vif argent. D'ailleurs, ils l'appellent l'argent vif. Le mercure. Le mercure est un miroir dans lequel le philosophe voit toute la nature à découvert. Et c'est un peu vrai. Et c'est vrai au pied de la lettre. On pourrait essayer de pousser la purification si loin qu'on arriverait... à percevoir à l'aide de la vue. Bon, c'est ce qu'on fait, bien sûr, déjà. Mais les phénomènes seraient encore plus précis. Ainsi, tenez, voilà quelque chose que j'ai constaté au laboratoire. Je me livrais à des séparations. Ordinairement, il y a une bonne fusion. Là. Des séparations de quoi? C'est la séparation de la lumière des ténèbres. Au fond, il y a deux indices. Le grand œuvre, c'est une ontogenèse. Une ontogenèse. Il y a un mâle, une femelle. Il faut qu'elles, tous deux, produisent un petit enfant. La femelle est mercurielle.
Le mâle est igné, lui. L'un est mercure, l'autre est le soufre. Le soufre, pas le soufre en canon, bien sûr, ni le soufre en poudre, en fleurs, comme on trouvait, peut-être plus maintenant, chez les marchands de couleurs. N'est-ce pas ? Eh bien, c'est du rapprochement des deux, comme je vous disais, que naît l'enfant chimique. La pierre philosophale. C'est la pierre, oui. Oui, exactement. Mais c'est pour vous dire, ça n'est pas de la destruction, au contraire. C'est une synthèse. Alchimiste travaille par synthèse. Mais Eugène Carcelli, à qui laisserez-vous cet héritage ? Aurez-vous des dauphins ? Ah ben j'ai ma fille. Ah, je n'ai pas encore. Elle travaille avec vous, votre fille ? Je ne peux pas dire que... Oui, tout de même, oui, si, bien sûr. Mais pas absolument, pas absolument. Ça n'est pas la disciple, ça n'est pas une élève. Il faut trouver l'individu. Mais avez-vous l'impression d'avoir été compris ? Parce que vous êtes très accompagné, vous recevez des lettres du monde entier. On vous pose des questions. Quelle est la question qui revient ? Ah bien, c'est très logique. Je vous le disais tout à l'heure. Je reçois beaucoup de lettres, bien sûr, un courrier énorme. Mais avec je n'ai pas 0,001 millième % d'ânerie. Ah, tout est bien dirigé dans le même sens. Je vois bien qu'il y a une excellente lecture. Oui. Et c'est toujours dans le même sens du travail, du grand œuvre, l'élaboration. Ils ont ça pour la plupart. Beaucoup aussi restent au niveau livresque, au niveau spéculatif. Ils s'espèrent dans une alchimie spirituelle. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, sans spiritualité, il n'y a pas possibilité de réussite au laboratoire, ça c'est certain. Telle opération que je fais, une séparation, je la ferai très bien, moi, devant un excellent chimiste, habile, rompu aux manipulations, il aura le même creuset, les mêmes matériaux, c'est-à-dire les deux individus minéraux dont je vous parlais, le minerai brut d'un côté, le métal de l'autre, qui est mâle, puis le sel adjuvant qui unit les deux. Tout sera bien mêlé, il tentera la séparation, il ne la réussira pas. Mais vous, vous la réussissez. Ça a été le cas devant Mahmoud Mukhtar Pacha, qui est parti d'un rire nerveux dans cette petite chambre du sixième. D'ailleurs, c'était pas fait pour l'arranger, pauvre homme, oui. Oui, de monter ces six étages d'un escalier qui déjà me coupait les jambes alors que j'étais solide. Oui, oui, oui. Alors, vous parlez à différentes reprises, et vous en avez parlé, Eugène Carcelier, le grand œuvre. Comment pourrait-on le définir ? Eh bien, le grand œuvre, c'est une série d'opérations. C'est une sorte de ballet, n'est-ce pas ? Tout est bien. C'est l'art de musique. D'ailleurs, ils l'appelaient l'art de musique, les anciens. C'est la grande harmonie. Il faut rester dans l'harmonie. C'est pourquoi l'alchimiste, j'y reviens, travaille en accord avec le cosmos. Et c'est pourquoi aussi nous sommes tant les alchimistes, et tout de même j'en ai pas mal qui travaillent, et qui s'y entendent déjà, et qui, bien sûr, certains n'y croyaient pas au début, s'aperçoivent que dès l'instant que le ciel nocturne n'est pas serein, qu'il est agité, qu'il est encombré, a fortiori s'il est complètement couvert, ne permet à rien, sinon de rester dans la chimie, toute simple. Mais la chose, pour accomplir le grand œuvre, elle est tout, elle est forcément en soi. Ah oui, ah ben oui, voilà, nous revenons, vous me faites revenir à l'alchimie spirituelle. Il faut cette nécessité d'harmonie, d'intimité avec la matière.
Sinon, c'est vraiment le combat du chevalier et du dragon, et c'est dangereux. C'est dangereux, parce qu'il faut rendre la matière philosophique. Il y a une ascension qui est très longue et qui change tout et qui n'était pas connue. Mais dans l'alchimie expliquée sur ces textes classiques, je n'ai rien donné qui ne soit vrai. Ah oui. Mais, Eugène Cancelier, c'est... Vous ne l'avez pas, c'est dommage. C'est un acte d'optimisme. Parce que quelqu'un qui serait triste pourrait aller dans ses profondeurs, ayant peur, par exemple, de perdre la vie, et s'inventer, à ce moment-là, d'autres univers, et ne plus avoir peur de quitter ce monde. Oh, ben, il ne faut pas avoir peur de quitter ce monde, bien sûr. Ah, ça peut le conduire à cette conception qui est la bonne, à savoir... la transpiration de l'âme, et rien ne le prouve davantage, rien ne prouve davantage la vérité de la transmutation, de la transmigration qui est une transmutation, bien sûr. Mais enfin, disons plus, celle à laquelle croyaient nos ancêtres, les Gaulois, c'est bien César qui le rapporte. Vous pourriez écrire un autre ouvrage, enfin, qui serait la suite du Fulcadelli, qui pourrait avoir pour titre « Les nouvelles demeures philosophales ». Y a-t-il de nouvelles demeures? A-t-on fait un progrès? On en trouve, bien sûr, preuve Fulcanelli, maintenant, bien, il connaît tout, c'est bien. Puisque l'adepte reçoit la science infuse, il a le don. Il entre sur le plan divin, c'est celui que nous ne pouvons pas percevoir, ni atteindre surtout. On ne peut pas se faire l'idée de Dieu, plutôt qu'on... Mais non, c'est pas possible. Oui. C'est cette conception. Et c'est bien pour ça, voyez-vous, que je ne comprends pas. Et c'est là l'universalité de l'alchimie, le caractère d'universalité. C'est cette campagne insidieuse qui s'installe, qui certainement va s'intensifier, de nous imposer la crémation. Rien de plus horrible. Il faut... C'est une alchimie, là. Attention. Il faut que nous passions, pour que la mort soit une naissance, il faut passer par la dissolution, qui est toujours accompagnée d'une putréfaction. C'est le noir, là, vraiment. Et c'est pourquoi c'est valable. La crémation est un non-sens pour vous? Oh, absolument. Absolument. L'Église, même l'Inquisition, y répugnait beaucoup. D'ailleurs, on tuait avant... Mais c'était le supplice de l'hérétique. Vous savez qu'elle était défendue par l'Église lorsque c'était vraiment celle du Christ. Pas l'Église actuelle qui permet tout, bien sûr. Mais vous dites quelque part que l'alchimie est la clé de la franc-maçonnerie. Vous êtes franc-maçon? Non, je ne suis pas maçon. Je ne suis pas franc-maçon, non. Non, je suis frère d'Héliopolis, chevalier frère d'Héliopolis. De la communauté d'Héliopolis. La fraternité. Fraternité, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Frère chevalier d'Héliopolis. Il faut que j'accompagne toujours ma signature, surtout lorsqu'elle a un caractère de solennité. Bien sûr. Donc vous faites partie quand même de certaines sectes? Non, pas de certaines sectes. Une, c'est même pas une secte. Ce sont les frères Rose-Croix. Ils sont invisibles, ils se qualifient d'invisibles parce qu'ils se communiquent sans se réunir. Ils communiquent entre eux sans avoir de réunion, puisqu'ils sont omniprésents, ils ont l'ubiquité, l'ubiquité divine. Ils sont dans le présent. Oh, ce que Don Quichotte en parle bien de ça. Mais l'alchimiste est croyant, il l'est d'ailleurs par la force des choses. Oh, profondément. Il faut avoir la foi pour entamer le grand œuvre, puisque c'est lui, le grand œuvre, qui va vous apporter la certitude que Dieu existe. L'alchimie, mais c'est l'accord de la science, l'accord réputé impossible, de la science et de la religion. L'alchimie, c'est la science avec une grande S, majuscule, sans jeu de mots. Oui, oui. Mais il y a, Eugène Cancelier, chez l'alchimiste, un souci de l'existence, un besoin de l'existence qui l'éloigne forcément des banalités. Ah, oui. Vous ne vous préoccupez pas des petites choses de la vie. Vous êtes ailleurs. Ah, il y a le temporel qui a ses exigences. Oui, c'est une chance que de pouvoir profiter de ce bonheur d'être ailleurs, non? Oui,
ça vous conduit ailleurs, ça, très, très vraiment. Il y a un ailleurs. Si je vous disais, quand j'ai rencontré Fulcanelli en 52, là j'ai eu la preuve visuelle, le sable qui crisse sous les chaussures, les enfants qui jouent, leurs ébats, les costumes, qu'il y a toute une société qui vit en ce moment. Une société pas formée comme ça, j'entends une société humaine qui vit sur un autre plan que le nôtre. Et ailleurs, où ? Ah, je ne sais pas. Près de nous. Près de nous. Près de nous. Ça, c'est certain. C'est une certitude. C'est-à-dire que nous avons des planètes près de nous. On cherche les planètes très haut, très loin. Mais là, et nous sommes environnés de planètes. Mais les fameux, disons, ce qu'on appelle les ovnis. Oui. Mais c'est le troupe des ondes qui fait ça. Vous n'y croyez pas aux ovnis ? Mais non. Pas de soucoupe volante, hein ? Pas de voyante. Mais non. Oui. Oh non. Ce sont des nœuds lumineux qui. Et c'est le chahut des ondes qui fait ça. Mais je le sais bien, puisque, à la manière de l'éclipse de lune, par exemple, qui s'inscrit à la surface du bain. Mais nous avons de ces éclairs. Ben, je suis certain qu'on regarderait au ciel en même temps qu'apparaît cette sorte de coruscation dans le creuset. Bon, on verrait l'ovni. Mais Eugène Cancelier, vous vous étonnez parfois que les chimistes n'arrivent pas à vous comprendre. Mais vous ne faites rien pour les aider, pour les aimer, parce que vous avez écrit une fois « les chimistes sont des alchimistes ratés ». Oh, je n'ai pas dit ça. Ah si, à peu près. Oh non. Oh, je suis bien certain, ça c'est pas possible. Je l'ai écrit. Oui. Qu'il n'ait pas vu ce que je vois, tout au moins en partie, c'est pas possible. Ou alors ils ne sont pas curieux. Ils ont peur peut-être. Ah, c'est possible, surtout ne pas troubler, ne pas perdre la petite chair sur laquelle on est assise et qui comporte des appointements, des émoluments grassouillets, comprenez-vous. Ah, y a le côté humain, temporel. Oui, celui-là duquel je n'ai guère à me préoccuper, moi. Non pas que je surabonde de tout, mais il me faut si peu. Il faut rappeler quand même. Il faut si peu. Il faut rappeler tout de même, Eugène Cancelier, que cet art initiatique que l'on appelle alchimie avait déjà de l'importance en Chine, et cela plusieurs siècles. Ah oui. Plusieurs oui. siècles avant le Christ, 6 siècles au moins avant le Christ. Ça n'est pas une invention de Fulcanelli. On n'a pas parlé du comte de Saint-Germain. Ah, le comte de Saint-Germain. J'y pense tout d'un coup. Là. Mais il avait certainement la pierre. Mais oui. Oui. Mais oui, mais l'histoire. Il vit aujourd'hui le comte de Saint-Germain, à votre avis ? Ah, ça, je ne peux pas le dire. Je ne l'ai jamais vu. Pas celui que l'on croit. Hein. Ah non, non, non. Ah oui. Ça, non, là, c'est une supercherie. Oh oui. Non. Ah, le comte de Saint-Germain. Lorsqu'il surprenait le vieux duc de Richelieu et qu'il lui rapportait ce qui s'était passé. Il y avait quelque 60 ans, et il lui nommait les officiers de qualité qui étaient avec lui, le vieux duc. Mais il était surpris, bien sûr. Il lui disait, mais vous y étiez donc, vous paraissez avoir 45 ans. Mais je suis contemporain de Jésus-Christ, lui disait-il. Mais forcément, vivant sur le plan du présent, vivant dans le présent, ils ont obligatoirement connaissance du passé et de l'avenir qui, tous deux, y sont inclus. Enfin, vous avez une chance sur moi, jeune cancelier, parce que vers 2050, oui. vous êtes sûr que vous reviendrez dans ce studio parler avec quelqu'un qui, à ce moment-là, m'aura déjà remplacé. Oh, c'est pas une certitude. C'est... Ah, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'est pas question de meurtre au niveau alchimique, bien sûr. Mais tout de même, le chemin et la bêtise, l'ignorance des hommes empêchent précisément qu'on se livre tranquillement à l'alchimie. Nous nous rencontrerons une autre fois, jeune cancelier, parce que les minutes passent trop vite. C'est seulement un commencement de conversation. Oh, nous avons passé 60 minutes ensemble. Ah, je voudrais... déjà, l'heure est passée. Mais oui, il est 16h59.